Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour jeunes gens, dis-je d'habitude. Là, je binote, vous voyez, c'est tout de suite. Hein. On sent la fin de l'année, le début de l'autre. Ouais, c'est vrai, petit passage. Noël, je ne me suis pas mis en Père Noël, mais l'idée y est. Hein. Et oui, on est en fin de saison, là. Noël est dans quelques jours. On va faire un petit tuto. Ouais, alors rapide. Hein. Après les PO qui se sont bien passés. Oui, bah oui, vous même été. Oui. Merci tout le monde. C'est vrai que. Oui, merci à tous. Ouais, merci d'être venu. Content. C'était sympa. Mmh. Oh, bah oui, c'est très bien passé. Il y avait du monde. Puis une belle sélection. On refera des bols quand même. Bah là, on va commencer à en mettre sur le site. Parce que là, j'avoue que j'ai absolument rien mis. Non, c'est tout. Ça va arriver. Mais ça arrive. On commence à en faire les vidéos, les machins. Là, on va s'occuper de ça là, d'ici peu. Je pense que d'ici Noël, il y en aura déjà quelques-uns de mis. Ouais. Et puis, ma foi, après, on va en mettre tout le reste. Comme ça, pour démarrer la saison. Pour démarrer la saison qui avance à grands pas. Hein, qui avance à grands pas. Enfin, la fin de l'année, là, ouais. Alors, profitez bien de la fin de l'année, quand même. Hein, parce que les années, là, c'est chaud, quand même, en ce moment. C'est des années différentes. C'est des années un peu difficiles, on va dire. Hein. Intellectuellement, c'est pas génial. Donc, voilà. Profitez bien des vôtres. Et puis, voilà. Donc, nous, là, aujourd'hui, vous voyez, on est parti sur quelque chose qui va nous changer. Alors, j'entends déjà les cris d'orfraie de certains. Ouais, c'est pas des coilles. Bah oui, c'est pas des coilles. Ça s'appelle des poissons rouges. Ouais, après, bon, c'est éviter de faire un peu toujours les mêmes tutos. Faut rappeler quand même qu'ils sont tous en archive sur le site internet de Saint-Maurin. Oui, oui, ils sont tous sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, et puis là, il y en a d'autres qui viennent. Alors, il y en a plein qui me disent, ouais, les nouveaux. Bah oui, on va. C'est le temps. Ça arrive. C'est le temps, ça arrive. Voilà, on va faire un truc sur l'air, sur l'oxygénation aussi. Voilà. Après, on trouvait sympa les poissons rouges parce que c'est souvent une passion commune et puis on a souvent commencé par des poissons rouges. C'est ce que j'allais dire. Le poisson rouge, c'est quand même la base c'est quand même un peu la base de ce que tout le monde a eu un jour ou l'autre. Et puis, c'est quand même une boîte de Pandore parce que quand on regarde un petit peu dans les poissons rouges, les variétés, c'est quand même assez riche. Il y a quand même du monde. Alors, on est reparti de. Pour vous fixer, de la famille. Hein, pour vous fixer un peu, ouais, la grande famille des cyprinidés. Alors, ouais, les cyprinidés, vous savez, quand vous allez à la pêche, quand vous êtes gamin. Bah, les gardons, les petites carpes, les petites tanches, voilà, tout ça sont des cyprinidés. C'est une grande famille, moi je ne savais pas, 3000 espèces, c'est énorme. Ah oui, c'est colossal, les cyprinidés, je ne sais pas si c'est même pas la plus grosse famille. Ils disent, en eau douce. Ah oui, voilà, c'est certainement une des plus grandes familles. Ouais. Tout à fait, et donc le poisson rouge fait partie donc, des cyprinidés, un poisson rouge. Et la carpe coille aussi. Bien sûr, la carpe tout court, carpe coille, ce sont des cyprinidés, hein. Cyprinus carpio, hein, pour le nom. Voilà. Et donc là, le poisson rouge, lui... Mais il en bat, droit. Voilà, hein, c'est la bestiole que tout le monde a eu chez lui. Bon, c'était en intérieur, hein, pas forcément en extérieur. Et oui, mais en fait, c'est troublant parce que c'est quand même un poisson qui peut supporter nos climats extérieurs sans aucun souci. Alors là, c'est... un poisson plutôt robuste. Alors j'allais dire que c'est incroyable. Bref, faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus, hein, parce que malheureusement, c'est vrai que c'est résistant. Ça vit, donc ça meurt. Mais à la base, oui, c'est en fin de compte, c'est ce fameux carassin. Carassus auratus, c'est ça. Carassus auratus, quand il a un poisson rouge. Carassin doré, qui en fait est un poisson qui n'est pas rouge au départ. Ah non, c'est tout gris, et il y a une mutation qui s'opère normalement. C'est-à-dire que sur un nombre d'œufs émis, d'alevins qui naissent, vous avez quelques poissons rouges. Il peut y avoir quelques poissons rouges. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gardé ces poissons rouges qu'ils ont réussi à faire. Ça a été sélectionné sur des siècles, en fait. Ça prend du temps, quoi. Des siècles, disons qu'un poisson, l'intérêt, c'est la quantité. Dès que ça fait des œufs, t'en as plein. Et puis, c'est capable de pondre. Alors, je suis avec. Elle va le faire pondre deux fois dans l'année, quoi. Et après, ils arrivent à se retrouver avec des mutations qui sont naturelles. Mais les premiers bassins, ce que j'ai trouvé, c'est. Deux millénaires, quand même. De 2000 ans en Chine, mise en bassin. C'est incroyable. Ils étaient vraiment attirés par le côté agréable et du bassin. D'ornement, d'ornement pur et dur. Hein. C'était pas non plus, à l'époque, il n'y avait pas de coichot. Hein. C'était juste des bassins pour le plaisir. Et donc, ça a évolué au fil des temps. Le poisson rouge, c'était le seul poisson de couleur, quoi. Alors là, eau froide, on a mis 15-25 degrés, ça c'est pour le préférendum thermique, mais des poissons rouges, c'est capable de descendre à des températures super basses. Hein. J'en ai dans le bassin, là, moi, ça descend à 5-6, ils mangent, pas de problème. L'été, ça peut monter très, très costaud, 28-30. Poisson rouge. Alors c'est vrai que les formes qu'on va voir là sont un tout petit peu plus fragiles que le poisson de base. Parce que là, le poisson rouge de base,
c'est vraiment très très costaud. Ah ouais, c'est costaud. Le problème du poisson rouge de base, c'est que souvent c'est tellement costaud que ça supporte plein de choses. D'autres poissons qui sont avec, eux, supportent pas bien. Quoi. Oui, ce qui peut être piégeux, parce que si on l'a dans un bassin avec des carpe-queilles, le poisson rouge, lui, va résister bien plus loin. Au niveau... déjà, au niveau concentration d'oxygène, ça est capable de descendre à des taux, il n'y a quasiment plus rien dans l'eau. Quoi. Autant au niveau ammoniac, nitrite, ça peut prendre des sur les claques, tests Colombo ou autres, l'ammoniac, moi j'ai vu des tests verts, et le poisson rouge, il est là, il mange, la carpe, elle est... vive, quoi. Donc c'est super résistant. Hein. Ouais, je sais plus les couleurs des tests, mais c'est pas plutôt rose, non, les tests? Non, l'ammoniac doit être jaune et ça passe. Ah oui, t'as raison, ça passe au vert. Et c'est les nitrites où ça passe rose. Ouais, ça passe de blanc à rose. Et là, c'est incroyable. Ah, moi, j'en ai vu qui étaient rouges. Hein. Sincèrement. Hein. Ah oui, j'ai vu. J'en ai vu. Donc, bref, c'est un poisson résistant. Enfin, bon, c'est pas pour ça qu'il faut le mettre dans ces conditions-là. Et on l'a quand même mis en troisième point. Il mérite néanmoins, pour être dans de bonnes conditions, une autre qualité. Donc, même chose, filtration biologique. Faut quand même un peu le. Que ça soit en aquarium ou en bassin. Faut quand même le chouchouter un petit peu, quoi. Il peut pousser fort. On peut dépasser 40 cm en adulte. Ah oui, sans problème. C'est quand même un poisson qui. Oui, ça devient relativement costaud. Hein. Qui est esthétique. Et il faut faire attention à la surpopulation. Même si ça se reproduit bien. Ah, bien. Très bien. C'est bien. C'est bien. Ça fonctionne bien. Ça, on sent que la bête est vaillante, si j'ose dire. Sur une saison, deux fois, sans problème. Bon, déjà une fois, mais déjà une fois, une bonne fois, bien, tu vois, avec bien quelques milliers d'œufs. Ouais, ça va vite. Ça a plutôt d'éclosion, mais bon, donc, poisson rouge, ça a vite tendance à envahir, quand même. Et c'est souvent des poissons noirs, vous avez. Au final? Bah oui. Ouais. C'est souvent des poissons. Allez, première variété proche du poisson rouge, c'est le poisson comète. C'est un poisson rouge, en fin de compte, avec des nageoires qui sont qui sont longues, quoi, c'est tout. Hein. C'est un peu un queue de voile, quoi. C'est ça, ça ressemble dans les domaines d'écueils. Un peu butterfly, Irénaga, c'est vraiment... Et là, c'est pareil, ça peut vraiment faire des tailles plus de 40 cm avec un voile. Déjà, tu peux avoir 20 cm de queue là-dessus. Ouais, c'est magnifique. Hein, donc, un poisson qui fait 30 cm, ça sert à rien. Alors bon, c'est toujours le terrain de débat, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le souci. Ah oui, ça c'est un problème. Hein. On va voir des poissons différents. C'est juste des poissons. Ah ouais, il y en a là, c'est... C'est Star Trek. Hein. C'est ça qui est rigolo. Regardez, vous faites... Il y a d'autres couleurs, évidemment, puisque... Il y a ce style Kohaku, là, rouge et blanc, hein, voilà. Il y a des jaunes. Des trucs jaunes, un peu couleur Ogon Yamabuki, quoi. Ouais, on fait le lien, nous, forcément avec le domaine des koi. Voilà, mais vous avez plein de couleurs qui sont effectivement possibles. Hein. Vous avez des choses grisées aussi qui sont... assez élégante. Oui, parce que métallique. Métallique. En fin de compte, c'est plutôt joli. Ça fait un joli focurine sur le bestiau. C'est plutôt sympa. Chouboukine. Alors, c'est pour celui que je préfère. Parce que, c'est une variante. Oui, j'ai apparemment l'impression qu'il va me pousser. Qui est un poisson comète, donc, les nageoires sont élancées et calico. Les couleurs. Ils sont presque transparents au niveau de la peau. Mais on voit quasiment les organes internes. Alors là, c'est plus un problème. Problème génétique. Mais bon, la base du Chouboukine, c'est ce qu'on a devant nous. Là. C'est Japon, c'est... Moi, 1892. Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Mais le beurre Akiyama. Akiyama, oui, j'ai trouvé. Je ne connais pas. Soyons honnêtes. Celui du dessus, ouais, c'est pas trop bien. Là, celui du dessous, ouais, faut lui fait peur. Enfin, c'est l'équilibre. Lui, il me fait peur, hein, je vous le dis franchement, il me fait peur. Lui, j'en ferai pas un copain. C'est se retourner. Ouh. Ouais, c'est pas le Chouboukine. Pourtant, c'est quoi. C'est vraiment l'animal. J'en ai bien vite dessus, c'est pas vilain. J'aime bien le c'est pas vilain. Ouais, c'est différent. Alors ça veut pas dire c'est très moche, ça veut dire comment vous dire, si vous me l'offrez à Noël, je vais être un peu embêté. Après, ce qui m'inquiète, c'est l'évolution en grandissant, je sais pas. C'est moche. On passe. Pour vous. Voile de Chine. Alors voilà. C'est sur plusieurs variétés. Ouais, alors les voiles de Chine, ça. Je suis pas un spécialiste du poisson rouge, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà. Regardez un petit peu quand même, l'oeil de Chine, c'est en fin de compte, ça englobe plein de sous-espèces, plein de sous-variétés, pardon. Et là, ça, je trouve ça plutôt élégant quand même. Ben moi aussi, j'aime bien. Voilà, ça finit bien, poisson, quoi. C'est... L'autre en bas, là, je le trouve plutôt aérien, quoi. Après, en bassin, c'est peut-être pas évident à voir, faudrait une vitre inversée, c'est ce qu'on disait. Vrai qu'il y a un. Faudrait les voir de profil, ces poissons-là, parce que c'est là où ça rentre. Mais là, je trouve que. C'est élégant. La photo est bien faite, évidemment. Mais je trouve ça plutôt aérien. Ouais, ça peut être sympa. Disons que ça change un peu du truc, voilà. Sur les coilles, on n'a pas quand même ce genre de voile. Non, pas autant, non. Pas aussi léger, quoi. Alors après, les poissons particuliers, le télescope. Alors lui aussi. Bon, les yeux... Ah, lui, s'il faut qu'il mette un masque, il va être embêté. Hein. Ouais.
Là, pour mettre des lunettes, ça risque d'être. C'est pas. Oui, c'est spécial. Hein. C'est spécial. Là, carrément, là, sur la photo, bah, en haut à droite. Celui là, de haut en droite, il fait plus il de fait. Au-dessus, ouais. Ouais, il voit au-dessus. Je sais pas ce qu'il voit. Plus fragile, ça, quand même, de ce qu'on a noté. Pas forcément copain avec d'autres variétés, plus difficile à mélanger. Alors, j'avais des clients qui étaient dans le sud de la France qu'on avait dans un bassin. Ils étaient plutôt costauds, déjà, les bestiaux. Bon, enfin, c'était dans le sud, hein, c'était vraiment à l'extrême sud, donc il faisait pas froid l'hiver. Ouais. Je sais pas s'il fait très très froid, je sais pas si c'est des animaux qui. C'est peut-être pas les plus résistants. Les plus résistants, mais. Alors, ça, franchement, on aime, ça, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. C'est gros. L'autre, franchement, en haut à droite, il me fait de la peine. Je devrais pas rire, c'est pas gentil, mais ouais. Tant qu'on y est, sur les yeux, le bubble eyes, ouais. Ça, c'est plus rare, j'ai l'impression. C'est ouais, peut-être faut fragile que ça le reste d'ailleurs. Ah, c'est particulier. Là. C'est particulier. On va passer. Ça va être super fragile, par contre. Enfin, je pense. Hein. Faut pas qu'il prenne un coup, je sais pas quoi, parce que là, on le mettre avec des poissons plus gros. Je sais pas si c'est ça, par contre, je sais pas si au niveau température. Je sais pas si vous dites des gens. Ouais, il faudra pas hésiter à mettre en commentaire s'il y en a qui. N'hésitez pas, parce que là. Je vois encore une fois. J'ai pas vraiment de recul sur ce genre de bestioles. On va revenir aux fondamentaux. Parce que ouais, c'est quand même, ça quand même, Ryukin. Bon. Ryukin. Ça tient le froid, par contre. Ouais, c'est résistant. Ouais, ça, c'est costaud. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'est la plus ancienne variété de stable de poisson rouge. Ouais. Qui en... 1772. Ouais, c'est incroyable. Quand même, ouais. Encore en Chine. C'était avant vraiment 1800, donc plus ancien que les carpecoilles croisées. Les premières variétés, je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, c'est la Zagi, ça devait être de 1900 et quelques, 1912. Ça, c'est un poisson plus fin, plus élégant. Moi, j'aime bien. Oui, c'est pas bien. Ouais, ça a une autre allure. Monochrome. Ou pas, avec éventuellement des voiles. Alors, ce qui est intéressant sur celui à gauche, on voit les points de chimie. Ils ont les mêmes. Bah, ils ont les mêmes défauts que les carpecoilles. Hein. Par contre, on retrouve des fucurines qui peuvent être sympas. On voit bien les écailles, là, un peu guinrine dessinée. Ça peut être assez esthétique. L'autre à côté, là, il est assez rigolo. C'est une espèce de froufrou. Alors, je sais pas si ça nage super bien, ça, par contre. Ça doit pas nager, ça doit pas être des fumées. Vu la masse et le corps et le profilé dans l'eau. Ça s'agite beaucoup avant d'avancer. Ouais, mais c'est esthétique parce que la voilure. Ah, c'est rigolo. Ouais. C'est sympa. Ouais, ça fait froufrou. Voilà. Oranda. Alors là c'est la une tête, autre variété. Oranda avec une excroissance sur la tête, ce qui a ensuite entraîné plusieurs sous-variétés. Et c'est un poisson. Oui, il y a pas mal de passionnés en Asie. De cette variété. Ah oui. Oui, on va le voir. Oui. C'est sûr, rigolo. Déjà, il y a pas mal de couleurs, et c'est vrai qu'en vue de dessus. Il y a un ton de chouchoua en bas. Ouais. Là, celui-là, il est sympa, moi, j'aime bien. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo, il y en a un plus jaune. Alors, celui que je préfère, en fin de compte, moi, c'est celui de droite. Le noir, là. Ouais. Bah, je sais pas, je trouve ça, c'est élégant. Ils ont même des versions panda, mais apparemment, c'est pas très stable, noir et blanc, mais celui-ci, là, est très beau. Les écailles, là, c'est propre. Ouais, la figurine est propre, on a un poisson qui est équilibré. Moi, je trouve ça sympa aussi, j'aime bien. Mais c'est alors je sais pas si c'est pas c'est des mutations ça qui ont été simplement conservées, c'est tout, hein. Oui, oui. Il y a rien de ils en croisent pas mal, hein. Voilà d'autres. Ouais, j'aime bien, c'est esthétique, un petit chiro de souris. Ouais, bah ça s'en est pas un panda, c'est pas ce qu'ils appellent ça, panda. Peut-être, je sais pas. Ouais, c'est possible. Celui au milieu est joli, là, avec la voilure, je pense qu'en nage ça doit être assez sympa. Ouais, ça fait assez danseuse de flamenco. Et celui qui est à droite, on voit par rapport à la main, donc on a quand même un poisson qui est assez costaud, qui fait moins 15 cm de long. Oui. Donc on a une assez ramassé quand même. Ouais, on sent que c'est pas diffusé, quoi. On sent que la bête n'est pas taillée pour ça, quoi. Ouais, celui de droite, là, il est rigolo aussi. Ouais, c'est un bel équilibre, trois couleurs. Après, je pense que c'est assez ultra sélectionné. Alors, c'est un peu comme l'écaille, c'est compliqué. Là, oui, ça doit être... Vraiment... Et même celui qui est en bas, là, il est propre, celui-là. Ouais, oui, c'est marrant. Ouais. Il n'y a pas de point, il n'y a rien du tout. Ah non, là, le corps est nickel, là. Blanc comme neige. Et là, les moyens d'appréciation doivent ressembler aussi. Je n'irai pas m'avancer, mais voilà. Quoi. Une sous-variété quand même très connue, qu'on retrouve souvent, c'est le tête de lion, qui est plutôt blanc avec une excroissance framboise. Framboise rouge. Alors là, pareil, il y a des critères de sélection. Ça me fait penser à un voisin quand j'étais gamin. Ah, le poisson. Lui, c'était le tarbouif qu'il avait rouge. C'était un peu plus bas. Un peu framboise, oui. Ouais. Pauvre. Et là, ouais, non, c'est marrant, c'est rigolo. Et là, pareil, j'ai trouvé des critères quand même. La forme, la taille, la géométrie, la couleur. Ah ouais, d'accord. C'est gradé, tu vois. Mais il y a le machin, des fois, ils sont pas envahis parce qu'en fin de compte,
J'ai vu que parfois il y a des, ouais, il y a des opérations parce que ça passe au-dessus, ça passe des yeux. Au-dessus des yeux. Ouais, donc en fait, au scalpel, ils interviennent et ils libèrent l'œil, mais ça repousse. Ah oui, c'est des croisements génétiques. Mmh. Parfois, c'est. Ouais, c'est joli, mais je suis pauvre bête. Après, pareil, gros domaine de passionné, Laurent Dessous, qui est en fait tête cette fois-ci, non plus tête de lion, mais tête de buffle, qu'ils appellent ça. C'est vrai que la tête est quand même assez. Massive. Massive, on peut le dire. Ah ouais, là. Très japonais, il y a pas mal de croisements au Japon. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est vu de face, donc bon, pareil, il y a différentes couleurs. Tous les pays d'Asie aiment bien les poissons rouges, parce qu'il y a même la Thaïlande, tout ça. Alors là, c'est, en profilant, on voit vraiment l'arrière est très spécifique, ça descend très vite, et une queue plutôt courte. La colonne qu'il a, lui. Il y a un beau soragoï, là. Ouais. Alors lui, c'est pareil, il doit pas nager à des vitesses fantastiques. Ça te marque, ça. Ah ouais, non, parce que les pauvres bestioles, je trouve que c'est... C'est pour ça qu'en aquarium, c'est bien, parce que tu vois, ils oscillent longtemps. Ah, mais ça fait ça, voir recul. Voilà, orange. Après, en vue dessus, il y en a d'autres, là. Le ranchou. Alors, celui de gauche, je trouve ça très beau. Ouais. Enfin, les écailles, je parle. Ça rappelle... Voilà. Je trouve que les écailles sont plutôt... Vraiment, ouais, ça fait penser à des... Bah, la couleur T sur les carpecueils des... Ouais, des... J'avais une Mukashi l'autre jour, elle était un peu comme ça. Elle avait une couleur pas... Les Mukashi, vous savez, c'est toujours un peu clair. Et là, elle avait une couleur... Ouais, t'es vert, je sais pas comment on peut appeler ça. Bah oui, c'est un peu bronzé, un peu bronzé. Ouais, c'était plutôt très très joli, ouais. Ça me fait penser à ça. Au côté noir, là, c'est pas bien non plus. Hein. Ouais, alors après, quand on a ça en aquarium, ça peut être très joli. Esthétiquement, dans un bassin noir, c'est souvent. Ouais, bah, c'est le pas problème. Là, sur fond blanc, ça rend bien, mais c'est toujours le même problème des couleurs foncées. C'est toujours le problème des couleurs très. Ouais. C'est rigolo, ça. Ouais, on voit là d'autres. Hein. Blanc. Celui de droite, il est très bizarre. Et celui de droite, on a l'impression vraiment du chiro de souris avec le sumi qui va sortir. Ouais, je sais pas spécial. Si on peut faire. Je sais pas si on peut faire la comparaison. Mais là, il est guinrine. Ouais, il est guinrine un peu. Il est assez étonnant. Et Pearl Scale. Ça, c'est très rigolo. Et pareil, ça, on va le retrouver sur différentes variétés. Alors, ça existait sur des koi. Oui, c'est rare quand même. Sur des koi à coups, j'avais vu des koi à coups perlés. Ouais. En fait, c'est juste que l'écaille a une dominante claire au milieu. Quoi. Donc, ça fait un peu bombé quand même. Là, t'as vraiment l'effet au toucher. Tu sens qu'il y a un peu de relief. Ah ouais. Et là, c'est vraiment. Là, c'est vraiment poussé à son paroxysme. Parce que c'est vraiment très, très, très détaillé. J'aime bien, c'est esthétique. Alors, entre la tête et puis les écailles perlées, il a tout. Alors, en vue de dessus, c'est un poisson étonnant. Il a bouffé des balles de ping-pong. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il a pris une balle de ping-pong, il est en train de la digérer. C'est à voir. Ouais. Je sais pas les durées de vie de ces bestioles, parce que les pauvres bêtes, là, quand même, là, je pense qu'il y a quand même un petit problème au niveau des... Je sais pas. J'ai jamais vu en vrai de... Alors ça, j'en ai vu, moi, des Pearl Scale, mais je sais pas si ça... En vue de dessus, c'est étonnant quand même. Ah. C'est bien de quelle planète, ça? C'est celui du système solaire? À force de croiser. Oh, c'est original. Ah, mais là, c'est original. Ouais. C'est super original. Mais bon, c'est... avoue que c'est... de voir de dessus, c'est quand même. Ah, je m'y attendais pas. Ouais. Ça laisse pas un sens. Et pour terminer, on se rapproche un peu du domaine. Ouais, alors ça, on est déjà dans le plus, je pense, dans le plus sérieux, là. Ça va. Ouais. Ça, c'est des croisements sélectionnés au Japon. C'est très robuste. Et puis c'est totalement compatible avec les carpe-coeil. Donc dans un bassin, ça peut être sympa. Et si on en parle aussi aujourd'hui, c'est que tu quand même prévois de revenir au printemps. Ouais, je vais ramener quelques-uns, histoire de rigoler. Quoi, parce que c'est des poissons. Ouais, voilà. Y a un vrai, l'idée, c'est que tu en aies aux portes ouvertes. Oui, on en aura quelques-uns. Que tu sélectionnes un bol ou deux. Ouais, je voudrais sélectionner des trucs un peu sympas. Quoi. Ouais. Je voudrais sortir du truc tout venant. Il va y avoir deux, trois choses plutôt jolies. Quoi. Assez gros. Ouais. Alors il y a des rouges, des blancs, type Kohaku. Ça peut atteindre 30 ? Oh oui. Donc, on a l'impression dans le bassin, ça peut être assez sympa. Ouais, moi j'en ai vu chez Marushin, je ne sais pas combien ils faisaient, ils étaient costauds, c'était... Un bol ? Ouais, je n'ai pas mesuré, mais je pense que largement 30 même. Quoi à coup, il y a des tout rouges, on peut trouver des tanchos aussi. Ouais, il doit y avoir un peu tout ce qui tourne. Il est photographié exactement comme les coilles en vue de dessus. Hein. C'est assez rigolo, la bestiole. Oh, c'est plutôt esthétique, moi j'aime bien. Et là, c'est ce que tu disais, l'éleveur. On a trouvé chez Genjiro et Marushin. Marushin, ouais. Qui s'est spécialisé, il en a pas mal. Ah, il fait pas mal de concours. Il fait toujours des coilles, hein, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un qui fait de très beaux poissons. Mais qui fait, il fait aussi de très beaux poissons rouges. Quoi. Et il fait aussi de très beaux Tamasawa. Il est reconnu pour ça au Japon. Quoi. Donc en fait,
au printemps, tu peux en avoir de la taille d'un tosaille, quoi. Ça fait 13-15 cm, là, c'est ouais, ils font 15. Oui, oui, on va essayer d'avoir des choses, voilà, quitte à en avoir un ou deux, enfin, en avoir quelques-uns, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus jolies, histoire de voir ce que ça donne. Après, attention, c'est un coût, hein. Des beaux tamasaba, c'est pas gratuit, hein. C'est pas des choses, c'est relativement coûteux. Pour un poisson faux, là, faut partir de l'idée du poisson rouge que vous achetez en jardinerie, hein. Ça n'a absolument rien à voir, hein. C'est vraiment des poissons sélectionnés, etc. Tu as un certificat avec ça ? Sur certains, oui. Ouais, ça serait sympa qu'on ait les certificats avec, ouais, c'est bien. Sur certains, oui, bien ouais, sûr. Ça peut être sympa. Là, il faut vraiment aimer... c'est vraiment quelque chose de différent, quoi. Alors, quand même, du très haut de gamme, on va être sur quelques centaines d'euros au maximum, mais assez petit, tu peux peut-être... Après, il y a un truc à franchir, parce que sur des coilles, bon, les gens en connaissent, etc. Pour les gens qui parlent tamasaba, ok, mais pour la majorité des gens, tamasaba, c'est poisson rouge, quoi. Ce qui est une erreur. Quand on dit ça vaut quelques centaines d'euros, bah oui, mais voilà. Alors, on n'est pas obligé de prendre, je vais pas prendre des champions du monde. Oui, tu vas essayer de. Mais je vais essayer de prendre des choses un peu sympas, quoi. Ouais, ce sera l'occasion de voir. Mais vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Faut bien faire comprendre la différence, quoi. Ouais, mais ça, le tamasaba, ça me parle plus que les choses. Le bubble eyes. Le bubble eyes. Comment dire? Ouais, il faut essayer, puis ça, bon, c'est bien de montrer aussi quelque chose de différent de temps en temps. Oui, hein. Voilà, c'est histoire de ça n'empêche pas le reste. Hein. Oui, bien sûr, ça n'empêche rien. Évidemment. Ça n'empêche rien du tout, bien évidemment. Mm. C'est pas l'idée. On a fait le tour. Bah oui, allez, voilà pour ce petit tuto. Ma foi, voilà, c'était plus histoire de vous faire voir quelque chose d'un peu différent. On va revenir avec deux, trois choses un peu plus techniques. On refera aussi un tuto sur la nourriture, si on va repartir sur printemps sur une gamme encore plus complète. Donc on en parlera. Là, beaucoup plus complète, là, ça. Ouais, ouais, là, avec les différents volumes. C'est plus moi, ouais. Et ouais. On va faire des choses plus. Ouais. Faire des choses beaucoup plus complètes. On verra ça après les fêtes. Ouais, tranquille, ouais. Parce que là, ça va être quoi? Ça va être foie gras. Ah, non, champagne. Champagne foie gras. Excusez-moi, j'ai rien dit. Champagne, crie pas. Voilà, pour en profiter, finir cette année tranquille. Ouais, allez. Bah écoutez, profitez bien. Ouais, à bientôt, merci bien. Et puis à très bientôt. Au revoir. Ciao.